salut de toute la quadrilla de Thierry Bergamo. Je vais maintenant laisser le soin aux acteurs d'aller revêtir le boléro de travail. Et la voilà donc à la première boursière de l'après-midi pour Marésia. Sébastien Bidovail, d'ailleurs qui souhaite offrir cet écart à la SFR. Et Bidovail, d'ailleurs, pour souhaiter la meilleure des réussites pour cette première attaque. Ah, et le premier écart qu'on décide, Sébastien, de se présenter face à la coursière pour la deuxième fois. Offrir cet écart pour tout le public. Ah, et le premier écart que nous dessine d'ailleurs Sébastien Gilles. Et ce sera d'ailleurs la deuxième attaque de Sébastien Gilles. Allez, Sébastien. Ah, et le deuxième écart que nous dessinez, oui, lui aussi tout nouveau dans cette quadrilla, l'écarteur de baston. Michael Bonnet. Allez, il est fait aussi Michael. Ah, et le premier écart que nous dessinons les carteurs de baston. D'ailleurs, vous voyez qu'il a revêtu le boléro. Et oui, les carteurs de Génie Weber, c'est revenu. La sortie de la deuxième course. Printemps du 16 au 18 mars, c'est d'ailleurs le dimanche 18 mars à 15h30, une course landaise comptant pour le challenge Sébastien Gilles qui va venir débuter la sortie d'Almeria. Allez, le premier écart de Sébastien Gilles. Allez, on passe au deuxième départ. Pour la troisième fois. Allez, coursière bien partie d'ailleurs. Ah, et le troisième écart de Sébastien face à la coursière. Et on va d'ailleurs tous les conseils du chef de quadrilla, Thierry Bergamo. Pour attaquer la poussière.
traversée. Ah, et de nouveau, oui, le bon passage pour les carteurs de Cavalier. Et Sébastien, d'ailleurs, remplacé par son chef de Pavia, pour venir effectuer son sixième étape. On va dire que souhaiter la meilleure des revanches pour vous mesdames, pour vous demoiselles, pour vous messieurs. Allez, dès que la coursière va partir, on va tous taper bien fort dans la main pour accompagner les casseurs. Allez Sébastien. Ah, et les quarts intérieurs pour Flore à la sortie d'Albertia. Et tout de suite, la troisième. Le champion de France des sauteurs, Guillaume Vergonzade. Il va dire venir tout de suite s'élancer au-dessus de la coursière. Allez, Guillaume. Ah, un premier saut, et oui, à la course pour tester le comportement. De Florian. Je vais d'ailleurs de Florian Maït pour la SCH parce qu'il
âgé de 29 ans, qui effectue aujourd'hui sa toute première course landaise. Et d'ailleurs, on le sait d'ailleurs que sa maman a passé son enfance ici à Orsarieux. Et les Pélion ont envie de souhaiter la plus grande des réussites pour ce premier étape. Allez, Pélion. Ah, et le premier écart d'ailleurs que nous décidons. Ah, et Pélion, pour ailleurs, peut souhaiter la meilleure des réussites pour ce deuxième écart. Ah, et le deuxième écart de Berlin d'ailleurs qui vient poursuivre là la sortie avec son troisième écart face à la poursière pour les biens. La coursière Amandine. Et Toto d'ailleurs qui va rouler. Allez, on y va. Ah, la coursière aussi qui a salué les gars. Ce sera d'ailleurs le deuxième écart de Michael Mondain. Ah, et la feinte maintenant pour les carteurs. Olivier Barrère va même venir attaquer la course. Ah, attention. Oula. Ah, malchance. Et le rallye civil de Sébastien Gilles pour son collègue malchanceux. Monsieur Salvadorini, dit pas le mot pour les intimes, 20 euros de prime. Ah, et c'était d'ailleurs l'ultime attaque, oulala, attention. Ah, décidément, malchanceux de nouveau, Olivier Barret. Thank you.
cette attaque de Sébastien Sagio, pardon. Destiné Jérôme Lugmort. Et on va tout simplement remettre Jérôme Lugmort. Et tout autre qui va tout de suite nous relancer un petit morceau d'ambiance. Madame Monique Olivier, conseillère générale 22 primes. Monsieur Jean-Claude Marcianet, oui, le grand conseiller de Morlan, 32 euros de prime. Merci à toi Jean-Claude. Ah, et le voilà d'ailleurs à l'écart de Jérôme Lugmort. Et alors, ici, oui, de Jérôme Lugmort pour Palomo. Et alors, ici, oui, de Jérôme Lugmort, monsieur Jacques Le Maine des restaurants des Lacs d'Alpois à Gémeaux. Ah, il est gâté d'ailleurs Jacques aussi sur cette attaque. Et bien tout simplement, Bido, on va te souhaiter la meilleure des réussites pour cette ultime attaque. Allez, il est fait d'ailleurs les carteurs de Saint-Jean-de-Lier. Allez, coursier est parti. Alors là de nouveau, c'est la sincérité pour Sébastien Bino, Eric Passicoussé. Monsieur Elia Fito, adjoint mon maire, Sébastien Gilles. Et oui, d'ailleurs, tout à l'heure, Péliot qui avait effectué deux écarts face à la coursière Boulevia. Allez, croyez-moi aussi que ce n'est pas sous évidence de commencer à course la neige. Ah, et oui, le bon écart de... Et d'ailleurs, Benjamin aussi qui va venir attaquer les grilles pour la deuxième fois. Allez, Péliot.
alors que la coursière négrite va maintenant s'élancer depuis les loges. On en sait aussi que ce sont ici de toujours les meilleurs départs de toutes les coursières. Allez, Sébastien. Et tout de suite,